À la place Idi Domando Kome ce dimanche, c'est une marée humaine qui a suivi la prière de l'Aïd el-Kébir. Ici, la prière et le serment ont précédé l'immolation du mouton par Fatiou Tidjani. Avec ce tact, l'imam de la mosquée centrale vient de donner le top aux fidèles musulmans. Nous avons bien prié dans la famille avec mes frères musulmans. Donc nous remercions Allah pour cette grâce de nous avoir gardés jusqu'au moment actuel. L'Aïd el-Kébir est célébré 2 mois et 10 jours après le ramadan. Et il s'agit là de l'une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. C'est une commémoration qui permet de rendre grâce à Dieu par rapport aux bienfaits, à cette miséricorde et à cette clémence que Allah a eu à faire à notre prophète Abraham. Paix et bénédiction sur lui. À la Tabaski, il a conseillé aux fidèles musulmans de faire preuve de partage. Les leçons t'avaient tiré nous gbogbo awon isele to sele ti ta fi du eran lojo oni mo pe ohun na ni gbagbo. Je souhaite bonne fête à toute la communauté musulmane et fêtez dans la joie avec vos familles et surtout ayez la crainte de Dieu. Il sera donc question pour ces fidèles musulmans de célébrer la Tabaski selon les recommandations des Écritures saintes et selon le halal et non le haram.